Durant l'entrevue, tu compiles le double rôle de mairesse de la ville de Châteauguay et de préfète de la MRC. Ça doit représenter beaucoup de temps à l'extérieur de chez toi. Est-ce que tu réussis à avoir un peu de temps en privé à la maison? J'arrive, comme tu dis. C'est ça, je ne peux pas avoir de routine à la maison. J'y suis pas tellement. Ben, j'y suis quand même. J'essaye et depuis le début de m'ajuster un peu aussi avec l'horaire de la famille pour trouver du temps pour qu'on soit tout le monde ensemble. C'est sûr que chacun a ses vies aussi. On arrive à un temps où les enfants sont adolescents et ont chacun leur petite bulle avec leurs amis, puis où les parents sont un peu moins importants. Mm-hmm. Il faut que je me fasse à l'idée aussi de cet état de fait. Mais non, il reste que malgré le fait que la fonction soit très prenante, j'ai quand même du temps pour être en famille. Je prends des vacances. J'essaie d'être aux événements importants de la vie de mes enfants aussi, de mon conjoint également. Donc, j'ai la chance, contrairement à bien des gens, de travailler très près de la maison. Donc, j'ai moins de temps dans le transport, ce qui fait que ce temps, je le mets à profit à la maison. Et j'essaie justement là, de mettre l'emphase quand je suis avec les gens chez nous, qu'on soit ensemble. Est-ce que c'est arrivé d'avoir des choix déchirants à faire, des choix difficiles, des événements auxquels tu n'aurais pas pu assister, que tu aurais aimé pouvoir? Oui, toujours. Il y a des choses, notamment certaines rencontres de parents à l'école ou des événements sportifs où j'aurais aimé être pour applaudir mes enfants, où j'ai pas pu aller. Par contre, c'est rare quand même. Ce n'est pas la règle, c'est certaines fois. Là, simplement, en 4 ans et demi, j'en ai manqué, même pas sur le doigt d'une main. Là. Fait que c'est quand même... On va assez bien avec ça. Puis j'essaye de ne pas trop... C'est difficile, mais j'essaye de ne pas trop me laisser accaparer par l'ouvrage. Je mets énormément de temps. Mais justement, il faut que je sois capable aussi de dire non quand il y a quelque chose de vraiment significatif qui est là. J'essaie aussi de faire des sauts à la maison entre deux rendez-vous quand je peux. J'ai l'occasion d'être très près de la maison, ça me permet d'aller voir les enfants au retour de l'école parfois ou d'aller préparer quelque chose pour eux. Puis juste de passer un peu de temps aussi avec eux à la maison. Donc, ça, c'est particulièrement aidant d'être près de la maison. Puis le travail de la MRC, c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans le sens où ça demande du temps, ça demande d'aménager le temps entre la mairie et la MRC, plus qu'entre la MRC et la maison. Mm-hmm. Donc, c'est dans cette plage horaire-là où il faut que je mette tout en compartiment, mais ça se fait assez bien. Mais il faut être capable aussi d'avoir plus de vie aussi. Là. Je veux dire, quand je vais aux Jean Coutu ou quand je vais à l'épicerie, ça me dérange pas là, de parler avec les c'est gens, d'écouter, c'est la mairesse. Toujours qui doit sortir. Oui. On est mairesse 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, et ça fait partie de ce qu'on doit accepter. Et puis moi, je vis dans ma ville, j'ai toujours vécu dans ma ville. Avant ça, j'avais aussi une job un peu publique comme journaliste, où j'allais justement, les gens m'interpellaient aussi, peu importe où j'étais dans la municipalité. Je prenais part aux événements. Ça n'a pas tellement changé, c'est juste un peu plus intense. Ah donc, c'est ça, vous aviez déjà un mode de vie qui n'était pas métro-boulot-dodo dans un horaire fixe. Alors, j'imagine que pour vous, la période d'adaptation n'a pas dû être aussi grande que pour quelqu'un qui travaillerait dans un bureau. Je peux pas dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que ça, pour moi, ça a été facile. Mm-hmm. J'étais vraiment...
drillée à ce genre de sans horaire avec des événements le soir ou les fins de semaine ou rencontrer des gens, répondre à des questions ou me poser des questions. Mais j'étais déjà dans ce mode-là. J'ai toujours été quelqu'un aussi qui a toujours été engagé dans la communauté. Donc, on faisait du bénévolat avec ma mère quand on était jeune. Elle se faisait un devoir de nous amener avec elle dans ses trips de bénévoles. Donc, on a été drillés, mes sœurs et moi, à faire ça. Et je pense que ça suit. On est bâti comme ça, puis on le fait. Puis ce qui marche pour moi n'est pas nécessairement la recette qui marche. Mm-hmm. Chacun a sa dynamique qui lui est propre aussi. Et son goût de faire des choses aussi qui est différent. Mais pour moi, je trouve que là, ça marche bien. Je dirais pas un équilibre parce que parfois, je suis essoufflée, mais ça va bien. Et on sait que la politique, c'est un métier, un domaine qui est assez difficile. Là, t'en es à ta cinquième année à la mairie. Est-ce que tu sens que t'as changé un peu? Est-ce que tu sens que le métier a pu être difficile ou je sais pas, ou est-ce que ça t'a fait changer un peu dans ta façon d'être dans le quotidien? Je dirais oui. Pas tellement le métier que les campagnes électorales. Mm-hmm. J'ai toujours un travail à faire. On a toujours un travail à faire sur soi, puis se recentrer sur pourquoi on le fait et pourquoi on a décidé de le faire. Et il faut dire aussi que c'est un travail, c'est une décision qui a été prise en famille chez nous, hein, parce que ça implique tout le monde. Ça demande à tout le monde de faire des efforts pour s'adapter à cette nouvelle vie. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses... On vit beaucoup de choses et on rencontre l'être humain dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de pire. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça nous demande toujours de revenir à l'essentiel et de se rappeler pourquoi on a choisi de faire ce qu'on fait. J'ai personnellement eu peur parfois de devenir très, très amère. Mm-hmm. Et je suis toujours revenue en disant, ben regarde ce que la majorité... Il ne faut pas s'attaquer ou s'attacher à ce que le petit ou la minorité va dire, mais regardons pourquoi on le fait dans l'ensemble, qu'est-ce qui ressort. Mais c'est sûr qu'on entend beaucoup plus le négatif que mm-hmm. tout le positif. Hein? Donc ça nous marque beaucoup plus une remarque qui n'est pas fine ou un commentaire négatif que tout le positif qu'on reçoit. Et il faut apprendre à justement s'arrêter à ce positif-là. Il faut écouter et entendre le négatif parce qu'il y a toujours une base de vrai dans tout. Il faut mm-hmm. toujours regarder, mais en même temps, il faut le prendre pour s'améliorer, essayer toujours, comme je dis, de rester recentré et de le faire pour les bonnes raisons et de continuer à le faire pour, moi je dis toujours, les meilleurs intérêts de l'ensemble et non pas de l'individu. Et quand on accède à la mairie comme ça, est-ce que le regard des gens change? Bon, toi, tu es passé de journaliste à politicienne. Des fois, c'est deux mondes qui s'entendent moins bien. Des fois, c'est deux mondes qui collaborent ensemble. Est-ce que le regard des gens autour de toi a changé quand tu as accédé à la mairie? Je dirais que les proches, non. Mm-hmm. Je pense que les gens savent qui je suis. Je suis Nathalie et je suis une citoyenne de Châteauguay. Je suis une citoyenne engagée. Puis c'est comme ça que je me définis. Donc, moi, je n'ai pas changé mon regard sur ce que je suis. Puis je fais les choses comme je les ai toujours faites, pour les raisons pour lesquelles j'ai toujours fait les choses. Et quand je ne les ferai plus pour ça, je pense qu'il sera temps que je passe à autre chose. Je dirais que non, mais c'est sûr que pour certaines personnes, oui, le fait d'être mairesse, c'est quelque chose qui est prestigieux ou le contraire. Mais, de nos jours, c'est plus clair comme ça. C'est ça. Mais oui, effectivement. Puis il y a des gens qui ne me connaissaient pas qui ont appris à me connaître, donc effectivement. Mais je pense que c'est juste jouer un rôle de citoyen engagé à un niveau différent pour faire en sorte que les choses bougent dans... comme je dis toujours, pour le meilleur de l'ensemble de notre collectivité. Alors, c'est ce qui conclut la première partie de cette entrevue. Pardon. On va aller maintenant s'installer à ton bureau pour te parler un peu du métier en tant que tel. Merci. On est donc maintenant dans ton bureau, le bureau de la mairesse.
Et le bureau également de la préfète de la MRC. En fait, la préfète n'a pas vraiment de bureau. Le bureau de la mairesse. Le bureau assume les deux fonctions. Le rôle de la... Ça, c'est vraiment le bureau de la mairesse. La préfète, ça se passe plus du côté de Saint-Constant avec les gens de la MRC. Justement, c'est quoi la distinction que tu as à faire entre ton rôle de mairesse et ton rôle de préfète de la MRC de Roussillon? En fait, c'est une question d'échelle. On doit gérer l'espace commun, l'espace public à plusieurs échelons. Et Québec a encadré ce travail-là avec différentes, je dirais, structures autant démocratiques ou simplement consultatives. Une fois qu'on est élu dans notre municipalité comme maire ou mairesse, ensuite on doit aller à la MRC, c'est obligatoire. Donc la MRC, c'est la municipalité régionale de comté. Et dans la MRC de Roussillon, comme pour les MRC qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, le préfet ou la préfète est élu par ses pairs, donc par le conseil des maires. C'est donc un conseil municipal régional. Et là, on a des compétences qui sont différentes de celles de la municipalité, qui sont à un échelon. C'est comme si on regardait, c'est comme si on était dans un hélicoptère, puis on s'élevait un peu du sol. Donc, quand on est vraiment sur le terrain, on est dans la municipalité. Quand on s'élève un peu, puis qu'on regarde un peu plus la région, on est à la hauteur de la MRC. Puis quand on va encore un peu plus haut, bien là, on est à la hauteur de la communauté métropolitaine de Montréal. On pourrait être à la hauteur de la Montérégie aussi. Il y a toujours des tables ou des lieux de concertation où la CRE, la conférence régionale des élus. Donc, le rôle de mairesse, c'est de voir évidemment à ce qu'on... la ville et le trésor, le rôle premier d'un élu municipal, c'est le trésor public, bien gérer l'argent de ses concitoyens, faire en sorte qu'on se donne les services qu'on souhaite et avec le financement qui va avec, défendre les intérêts de ses citoyens aussi. Au niveau de la MRC, c'est défendre un peu plus régionalement l'intérêt de l'ensemble des citoyens et des municipalités qui forment la MRC. Et quelle qualité, justement, ça prend pour, premièrement, être mairesse de la ville de Châteauguay, puis deuxièmement, pour être préfète? Est-ce que ce sont les mêmes qualités qui te sont demandées? Oui, je pense que ça fait appel au même sens du devoir, au même sens civique, à cette envie de bien faire les choses et de mieux faire les choses, d'essayer de travailler à ce que ou la ville ou la région se dirige vers quelque chose de constructif puis d'intéressant pour l'ensemble des citoyens. C'est sûr qu'on ne répond pas personne à du cas par cas, ni de façon locale, ni de façon régionale. Il faut toujours voir l'ensemble des choses. Il faut être capable de prendre du recul. Moi, je pense que c'est la principale qualité, c'est d'être capable de s'extirper un peu de soi-même pour regarder, avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait, pour justement être en mesure de prendre la meilleure décision et non pas toujours répondre à quelqu'un se plaint, puis on répond. Mm-hmm. Non, il faut toujours regarder globalement comment on articule tout ça. Et je pense que ça, c'est une qualité qu'il faut avoir, d'être capable justement de faire un pas derrière puis de regarder l'ensemble de la problématique ou de la chose qu'on veut faire et regarder loin aussi, mm-hmm. Essayer de voir plus loin parce que des fois, on fait des choses à court terme puis ça a des impacts importants à long terme et on n'en ressort pas gagnant. On le voit parfois avec le développement. Donc, il faut vraiment essayer de réfléchir, s'entourer de gens intelligents qui sont capables de le faire aussi, des gens compétents, dédiés, parce qu'il faut parfois faire preuve de beaucoup d'oubli de soi-même, parce que les gens, on dit toujours, hein, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, on est blâmé. Mm-hmm. En anglais, on dit « damn if you do, damn mm-hmm. if you don't ». Mais c'est ça aussi, donc on peut jamais plaire à tout le monde, donc il faut être capable d'accepter ça aussi. Et je pense qu'il faut pas faire les choses dans des vues électoralistes non plus. Je pense qu'il faut être assez responsable pour dire, bien, je sais que c'est pas populaire, cette mesure-là, mais elle doit être faite parce que c'est l'avenir collectif qui en dépend, puis c'est à long terme, puis c'est dans le but de faire du développement durable, pas juste pour les gens qui sont ici aujourd'hui, mais pour ceux qui seront là demain. Donc, je pense que c'est ce que ça demande beaucoup. C'est du travail, parce qu'on est tous des êtres humains, puis c'est pas toujours évident. Dans les dernières années, avant tout le scandale de la commission Charbonneau, les gens étaient peu intéressés. Il y avait un taux de votation très bas au niveau municipal. Est-ce que tu sens que depuis... est-ce que ça s'est ressenti dans la dernière élection au niveau du scrutin? Est-ce qu'il y a eu une influence, là? Est-ce que les gens ont repris un intérêt? C'est assez décevant. Mm-hmm. Je pense que les gens qui étaient intéressés par la chose publique ont été davantage intéressés par la chose publique,
Autrement, je pense que les gens sont désintéressés de la chose publique. Et c'est assez dommage. Nous, on mise beaucoup sur la participation citoyenne. On essaye de consulter, de faire en sorte que les gens sont toujours partie prenante des processus qu'on met en place. Quand on veut faire des changements, on propose les projets, on les présente, on informe. Mais malgré tout ça, c'est assez difficile à mobiliser les gens. Les gens sont encore assez dans une zone de confort. Mm-hmm. On le voit un peu partout, la question de la fiscalité municipale commence à titiller les gens un peu plus parce que c'est pas tellement les pratiques politiques qui dérangent les citoyens que ce que ça coûte. Mm-hmm. Et donc, les taxes, se payer des services, ça coûte excessivement cher et on veut une qualité de service, on veut avoir des loisirs, on veut avoir des rues en bon état. On veut que ça aille bien, on veut qu'on soit bien chez nous, mais en même temps, il y a un coût à ça. Et on est probablement arrivé à la limite de ce qu'on était capable de payer pour se donner ces services-là, et on en veut toujours plus. Et comme les citoyens, ce sont beaucoup, puis je parle pas juste de Châteauguay, mais on le voit à tous les niveaux, beaucoup désincarnés de la chose publique, on a beaucoup de difficultés à mobiliser les gens, autant pour faire du bénévolat que pour s'engager dans des choses à plus court terme. Et ça, on s'en ressent, je pense. On commence à revoir une certaine mobilisation citoyenne quand il y a des choses importantes. Mais autrement, c'est assez compliqué. Les gens sont chez eux, tournés sur eux-mêmes, et c'est assez difficile de les sortir de cette espèce d'état-là. En 5 ans, est-ce que vous avez l'impression de devoir vous renouveler constamment, année après année, ou est-ce que vous essayez de suivre une trame qui est déjà établie? Vous parlez que tout ça est vivant, tout ça évolue. Est-ce que à un certain moment, durant ces 5 années-là, vous vous êtes dit faudrait se renouveler, faudrait se réinventer un peu? En fait, il faut toujours repenser. Moi, je suis du genre à toujours me re-questionner, à me repositionner par rapport à ce qu'on fait. Il y a des fois, il y a des choses où on pense que c'est véritablement ça qu'on doit faire, puis on se rend compte qu'à l'usage, c'est un peu plus difficile, donc on doit un peu changer nos vues, se réajuster. Je pense que il faut constamment se re-questionner sur le pourquoi on fait les choses et si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des opportunités qui nous permettent d'avancer plus rapidement, puis il y a des contraintes qui nous permettent de ralentir, qui nous obligent à ralentir un peu. Et donc, on doit toujours jouer entre ces deux factions. Donc le paramètre de l'opportunité puis le paramètre de la contrainte. Et je pense que c'est dans la contrainte qu'on devient le plus ingénieux. L'opportunité nous permet de réaliser des choses intéressantes. Et on doit toujours tenir compte d'un paquet de choses. Et parfois, une bonne idée, si personne n'en veut, on doit l'oublier. On doit dire, on n'est pas prêt pour cette idée-là encore et on doit faire autre chose. L'idée, c'est quand même d'avoir un chemin, de savoir où on s'en va pour arrêter de faire des actions improvisées en disant, sous la couleur du moment, c'est intéressant de faire ça, de dépenser de l'argent des citoyens pour faire ça, ou parce que plusieurs crient, puis que c'est ça qu'on doit faire pour essayer, tu sais, huiler la roue qui grince, là. Mais en même temps, on se dit, parfois, il vaut mieux juste ralentir, faire ça, comme ça. Mais l'idée aussi, c'est de l'expliquer, de le communiquer convenablement. Quand les gens comprennent où on va, comment on le fait, pourquoi on le fait, je pense que les gens suivent. Mais il faut être transparent, puis il faut expliquer les choses convenablement. Quand on fait de la politique, on dit souvent que c'est un milieu qui ne pardonne pas, mais il n'y a personne de parfait. J'imagine que durant les 5 années, il y a eu des choses sans les regretter, justement, tu disais, tu t'es rendu compte que ça pouvait ne pas fonctionner ou quoi que ce soit. Comment on fait pour avouer ses erreurs? On entend rarement un politicien dire « oui, je me suis trompé ». Comment on fait pour corriger? Comment on fait? On s'excuse. S'excuser. Moi, je pense qu'on doit se donner le droit à l'erreur. Mm-hmm. Quand l'erreur est faite de bonne foi. Quand on fait quelque chose parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, parce que tout nous indique que c'est la bonne chose à faire, puis que finalement, peut-être le résultat n'est pas au rendez-vous, je pense qu'on peut s'excuser. Dans les dernières années, il n'y a pas eu de choses si majeures, je pense. Oui, des petites ratées, des petits trucs, des choses qui ne plaisent pas aux gens, mais on peut pas, comme je l'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. On s'est donné collectivement un plan. On a fait une consultation publique. On a eu le sommet Châteauguay 2020. On a dégagé les grandes lignes. On s'en va dans ces grandes lignes-là.
C'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Le changement, ça plaît pas à tout le monde non plus. Je ne plais pas à tout le monde non plus. Donc, il y a des gens pour qui je pourrais danser sur la tête puis ça ferait pas plus leur affaire. Donc, ça, il faut l'accepter. Mais il faut aussi se donner le droit à l'erreur. Il faut être capable de s'excuser. Il faut être capable d'avouer qu'on s'est trompé. Je pense que ça, c'est juste être humain. Je pense que dans le métier qu'on fait, l'orgueil, il n'y a pas sa place. On le fait parce qu'on essaye d'arranger des choses. On ne le fait pas pour nous. On le fait pour l'ensemble des gens. Puis, on fait aussi ça pour essayer d'améliorer. Donc, oui, comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des fois, on se gourre complètement. Puis, tant que ce n'est pas trop dommageable, ça va. Si c'était vraiment dommageable, bien, j'espère que quelqu'un m'aurait ramené avant. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Donc, il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui est capable de nous ramener, de dire, peut-être, là, on voulait faire ça, mais ce n'est pas la meilleure idée. Il y a des projets qui ont changé de cap tranquillement parce qu'effectivement, ce qu'on avait pensé au départ, c'était peut-être pas le mieux que ce qu'on pouvait faire. Et il y a des choses qu'on revient tranquillement aussi vers ce qu'on avait décidé au départ, puis on a essayé d'aller voir ailleurs, puis on dit, non, finalement, vois-tu. Mais ça se donne, on se donne le temps, on le travaille. Et je pense qu'il y a aussi le fait que, entre, je dirais, aujourd'hui et ce qu'on souhaite pour après-demain, il y a demain dans le milieu. Et il faut avoir les petits pas pour arriver à quelque chose dans son ensemble. Donc oui, effectivement, on ne peut pas penser que le projet, puis si on pense au projet Centre-Ville, par exemple, à Châteauguay, les gens voient, il y a beaucoup de cristallisation autour de qu'est-ce qu'on va faire puis comment ça va bouleverser les vies, mais c'est dans 20 ans. Et c'est un objectif, c'est une vision, c'est pas obligé que ça ressemble à ça à 100%, mais on s'est doté aussi d'une stratégie de petits pas, donc le changement va se faire graduellement, on va accompagner les gens vont se retrouver là-dedans, et ça demande aussi justement de la patience. De la patience. Bien, c'est ce qui conclut la partie travail de cette entrevue. On va aller découvrir ton lieu coup de cœur qui est... L'Agora citoyenne. L'Agora citoyenne, on s'y retrouve dans quelques instants. Nous sommes donc à l'Agora citoyenne, anciennement à l'Arena Guy Scott, où j'ai joué au hockey quand j'étais tout petit. Il y a des souvenirs qui me reviennent en tête. L'Agora a été inaugurée en octobre dernier, en octobre 2013. C'est un projet, je pense, qui te tient particulièrement à cœur. Oui, en fait, c'est le cœur du centre-ville de Châteauguay, du projet Centre-Ville. C'est un endroit qu'on veut citoyen, où on veut des rassemblements, donc où on veut se retrouver ensemble, fêter, parce que l'Agora est là pour des événements heureux ou en fait rassembleurs, où on peut se retrouver, se rencontrer, se voisiner. Là, on voit qu'il y a la glace qui a été inaugurée en janvier, à la mi-janvier. Évidemment, ça c'est toujours tributaire des soubresauts ou des humeurs de Dame Nature, mais ça fonctionne super bien. Les gens viennent en grand nombre chaque week-end, tous les jours, même sur l'heure du dîner, il y a des gens qui viennent patiner. On est bien, bien heureux de ça. Mais outre les activités de glace, il y a eu la fête de Noël qui s'est tenue ici. On attend les festivités de la Saint-Patrick. Il y aura évidemment tout au long de l'été des événements, des rassemblements, le marché public. Donc, c'est un endroit qu'on veut justement, une espèce de grand chapiteau ouvert où on pourra justement se rencontrer et être à l'abri des intempéries. La danse en ligne qu'on voit habituellement devant la bibliothèque pourra se faire ici. Donc, oui, c'est le cœur de notre projet Centre-Ville. Et qu'est-ce qui nous attend cet été? J'imagine que l'Agora va être utilisée à son plein potentiel. Oui, en fait, les services récréatifs et communautaires, en fait, ce qu'on appelle maintenant la vie citoyenne, est en train de, justement, concocter la programmation pour l'été. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire à l'extérieur, qu'on faisait dans le parc Mercier. Le parc Mercier, c'est le terrain là, qui se retrouve derrière le centre culturel, la bibliothèque, la maison des jeunes. Il y avait beaucoup d'activités qu'on tenait là puis qu'on devait toujours soit annuler, soit déplacer par raison du temps. Maintenant, on va pouvoir faire du cinéma, on va pouvoir faire les spectacles en plein air. Et là, on va pouvoir aussi avoir la fête du Canada, plein de festivités qui vont se tenir.
Je veux juste dire qu'on entend les faroucheurs. C'est une attraction pour l'hiver. En fait, presque, on va s'habituer. C'est un faux faucon. OK. Hein? Et c'est là pour éloigner les pigeons parce que ils ont trouvé refuge eux aussi, les pigeons, sous le toit de l'Agora citoyenne. Et donc, c'est vraiment une initiative d'avoir apporté cet effaroucheur-là ou il s'est installé ici? En fait, on l'a installé. C'est un objet créé par l'homme pour éloigner les pigeons. Alors, effectivement, c'est un faux faucon. Mais ça reste quand même assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Et toujours que l'Agora citoyenne, je pense que c'est une belle idée. Puis c'est une idée qui est née parce qu'on ne pouvait plus utiliser l'aréna Guiscotte pour des activités de glace intérieure. Le nouveau contrat qui liait la municipalité avec le multisport, l'ancienne aréna Léo Crépin, faisait en sorte qu'on ne pouvait plus tenir d'activités de glace à l'aréna Léo Crépin, l'aréna Guiscotte. Et on était pris donc avec cet immeuble-là. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le détruit? Un aréna, c'est un gros frigidaire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas loger. On n'aurait pas pu faire de bureau à l'intérieur. Ça aurait coûté excessivement cher. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on utilise cette structure-là? Et puis, il y a eu un beau travail de réflexion qui a été fait par l'équipe de la vie citoyenne. Et on en est venu donc à cette belle idée rassembleuse. Et puis un jour, on espère, parce que c'est un projet qui va dans le temps, le poste de police, qui est trop petit pour les besoins de la desserte de police régionale, va déménager. Donc, on pourra faire un parc en avant aussi, donc aménager complètement l'ensemble de ce poumon de notre centre-ville. Comme je le disais, c'est un poumon, mais c'est aussi le cœur, parce que c'est ici qu'on veut qu'il y ait de la vie puis que ça s'anime. Et donc, c'est l'objectif principal de l'Agora citoyenne, c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes pour différents événements? Oui, que les gens s'approprient le centre-ville de Châteauguay, viennent ici, se donnent rendez-vous ici, qu'il y ait de l'activité, qu'on se voit. On n'a pas de place publique à proprement parler à Châteauguay où les gens peuvent se croiser. On n'a pas de petits endroits où on marche, là, on fait nos courses à pied, on flâne sur les trottoirs. Alors, c'est ça qui est intéressant avec l'Agora. Et ça, c'est quelque chose qui est géré par la ville, je suppose? Oui, c'est un de nos équipements. Supposons, moi, je suis un créateur et je trouve que le lieu ici m'inspire beaucoup. Est-ce qu'il va y avoir la possibilité pour quelqu'un de venir proposer quoi que ce soit à la ville? Il y a toujours la possibilité. L'objectif qui sous-tend l'utilisation de l'Agora, c'est qu'il faut que ça soit citoyen. Il faut que les gens y aient accès. Donc, on ne peut pas faire quelque chose de privé. On ne peut pas faire quelque chose qui est limité. Il faut toujours que ça soit ouvert à tous les citoyens qui voudraient participer à l'activité qu'on tient ici. Bien, merci beaucoup, Mme Simon, pour cette belle journée. Et je vous souhaite bonne chance avec vos projets à la mairie. Merci.